10 maires d'un canton du Vercors dans l'Isère démissionnent. Ils protestent contre un arrêté du préfet qui, après la tragédie du Drac, interdit l'accès à plusieurs rivières situées en aval de barrage EDF. Pour les élus, c'est un coup porté au tourisme dans la région. La Poste va recruter 5000 jeunes d'ici un an. C'est ce qu'a indiqué le secrétaire d'État à l'Industrie, Christian Pierret, dans un entretien au journal Le Monde. En Formule 1, il n'y aura pas de Grand Prix du Portugal en novembre prochain. Les écuries n'ont pas souhaité ajouter une épreuve supplémentaire. La saison se terminera donc le 26 octobre avec le Grand Prix de Jerez en Espagne. Bonne fin d'après-midi. En août, le meilleur du cinéma récent en première exclusivité, c'est sur Canal Plus et nulle part ailleurs. 2 millions de dollars pour le prochain contrat. Alors qui est ce Miguel Bain? Stallone Banderas, ennemi public numéro 1 et 2. Assassin, l'action à bout portant. Tu l'as, sois professionnel. Non, c'est mon... Des films pour tous les goûts et des comédies américaines truffées d'effets spéciaux. T-Rex, la comédie jurassique version cartoon avec Youpi Goldberg. Rex, Teddy Rex. Vous avez pas de flingue? Tous les films et les grandes fresques du cinéma français. Vous êtes joli garçon, Gabriel. C'est vous, Gabriel? Maria Pacôme, Claude Rich, Philippe Torreton, Le bel été 1914 ou La France d'avant-guerre. C'est toujours en été qu'on déclare les guerres. Et c'est à l'automne que les hommes tombent. Action pure, effets spéciaux, fantastiques, policiers, drames, thrillers et comédies. En août sur Canal+, tout le cinéma récent en première exclusivité. Gagné. Mmh.